Je vois qu'il est sur avec un agile point 2, je crois, et comme un champion tout le monde. Ceci n'est pas un problème radio ou un problème technique. C'est ce qui est dans ses œuvres, absolument. Tout ça est voulu et maîtrisé. Oui, il a vu la volonté de tout le monde, mais oui, il a vu les modérations. Les sons étaient normales. Si, pas un peu, mais enfin, quoi que. En fait, on va continuer à comprendre un contrôle antidopage avant la fin de la journée. Mais regardez ça. Marche arrière pour la caisse dans tous les temps du monde. On descend, on monte, on descend, on retourne. Le grand malade, tout en fait comme ça. Naturellement, il ne pas du seul bon sang. Il y a oh là là, on est parfois à moins de 50 cm de sol, il ne fait que le bon pied. Ça s'est fait en quelques fractions de seconde, littéralement, on repense à ce que vous disiez plus avant. Il ne peut pas avoir une fraction de seconde de latence, il doit tout entendre comment savoir ce qu'il va faire. Il n'a pas eu le temps de décider à moins de 20 centimètres de seconde, c'est pas le cas de l'élan du couple. Le retard est toujours en silence, littéralement avec les deux qui n'en manquent pas de temps. Ils sont en train d'arriver à louer sur leur famille, pour le dos, parce qu'on va un petit peu de temps, parce qu'on va faire un peu de temps. Oh là là. Parler de robustesse avec le matin de F5, il y a un temps, il y a une vitesse partout. Imaginez-vous les efforts colossaux au niveau de la tête de rotor. Vous savez, l'endroit où se centralise et prend la liaison entre les pales du rotor, puisqu'on parle d'un rotor qui est fait par le vide, et le châssis. C'est énorme, cette message de la linéarité de la chute roulant à la carbone. Alors là, retour battu. Ah mais oui, mais là, attention, ça fait... Eh oui. Il avait un chapeau blanc, il a dû se poser. Vous avez vu après le rage,